La société Blanc Rochebois a été créée à Brignoles en 1949 par M. Blanc et M. Rochebois, avec comme première activité celle de maréchal ferrant. En 1952, la mécanisation de l'agriculture se développe, les fondateurs prennent une concession de matériel agricole. En 1971, la concession, devenue New Holland, est dirigée par M. Gianella et M. Giuni, qui la renforce avec les travaux publics sous la marque Hitachi. 10 ans plus tard, Blanc Rochebois s'oriente aussi vers l'automobile en choisissant la marque Peugeot. En 1998, M. Mosca reprend la direction de Blanc Rochebois, qui regroupe les activités agricoles et automobiles, avec un effectif total de 120 personnes. De nos jours, Blanc Rochebois Matériel est la plus ancienne concession du réseau national New Holland. Répartie sur 3 sites couvrant le quart sud-est de la France, secteur sur lequel nous sommes leaders, tracteurs et machines à vendanger. Le site principal Brignoles, siège de la holding, couvre les départements 83 et 06 avec un effectif de 50 personnes. Monsieur Barbero en est le responsable commercial. À ce titre, sa priorité, la satisfaction client appliquée au quotidien, qui passe aussi par la force du service après-vente, notre devise. Pour ce faire, 21 techniciens et 7 fourgons de dépannage sont disponibles. Une formation annuelle très pointue est nécessaire pour faire face aux nouvelles technologies de tous nos matériels. Sur cette image, la machine à vendanger neuve 9060, livrée à M. Coquilla à Trets en septembre 2012.
La succursale de Manosque a été ouverte en 1992 pour agrandir la part de marché de Blanc Roche-Bois en couvrant les départements 04 et 05. L'effectif est de 15 personnes sous la responsabilité de Monsieur Juillard. Comme à Brignoles, sa priorité, la satisfaction client, qui passe aussi par la force du service après-vente, notre devise. Pour cela, une équipe de 7 techniciens et 3 fourgons de dépannage sont disponibles. Chaque année, nous assurons une formation aux nouvelles technologies. Sur cette image, la moissonneuse-batteuse CX5090, neuve, livrée à M. Charpin à Roumoul en juin 2012. La succursale d'Aix-en-Provence a été ouverte en 1968 pour accroître le secteur de Blanc-Roche-Bois et ainsi couvrir les départements 13 et 84. L'effectif est de 15 personnes sous la responsabilité de Monsieur Juillard. Même priorité que Brignoles et Manosque, la satisfaction client, qui passe aussi par la force du service après-vente, notre devise. Pour assurer ce service, une équipe de 6 techniciens et 3 fourgons de dépannage sont disponibles. Chaque année, nous assurons une formation aux nouvelles technologies. Sur cette image, le tracteur neuf T7 270 chevaux, livré à M. Sama, à Peigné, en août 2012.
La société Blanc Rochebois Automobile a été créée en 1980. Les dirigeants ont souhaité se positionner favorablement sur ce marché avec la marque Peugeot. Installée sur le même site que l'agricole, cette activité ne s'exerce qu'à Brignoles, avec un secteur compris dans un rayon de 40 km autour de la concession. L'effectif est de 40 personnes, sous la responsabilité de Monsieur Mosca. Le commerce des voitures s'établit avec environ 500 véhicules neufs et 500 véhicules d'occasion. À l'instar de l'activité agricole, la priorité est la satisfaction client, qui se traduit aussi par la qualité de service après-vente et de la carrosserie. Une équipe de 19 techniciens, en formation chaque année, assure le service que nous devons aux clients. Nous essayons d'exploiter au mieux la complémentarité des deux activités. En effet, les clients de l'agricole deviennent aussi clients de l'automobile.